Plus de 170 pays ont franchi la première étape de la signature de l'accord de Paris sur le changement climatique au siège des Nations Unies à New York ce vendredi. Parmi eux, la Chine et les États-Unis, les plus grands pollueurs de la planète. Le président français François Hollande a été le premier à apposer sa signature. Avant, il a appelé le monde à traduire cet accord historique en acte. Jamais dans l'histoire des Nations Unies, il n'a été possible de réunir 170 États pour signer un accord. C'est donc maintenant plus qu'un engagement. Ça sera un texte inscrit dans le droit international de manière irréversible. Même tonalité dans le discours de l'acteur Leonardo DiCaprio, fervent défenseur de l'environnement. « Nous pouvons nous féliciter les uns les autres aujourd'hui », a-t-il dit, « mais cela ne signifie absolument rien si, quand vous retournez dans votre pays, vous ne parvenez pas à aller au-delà des promesses de cet accord historique. Le moment est venu d'être audacieux et de mener une action sans précédent. » Cet accord de Paris, destiné à ralentir le réchauffement de la planète, n'entrera en vigueur que lorsque 55 pays responsables d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre l'auront ratifié. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a souhaité que les pays signataires s'engagent à le faire très rapidement. L'accord reste ouvert pendant un an à la signature des 195 pays qui l'ont négocié.